syndicale, je présume, ce matin, les Métallos qui annonçaient une aide sous forme de, 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 de carte là, pour aider des gens, dont 100 000 aux syndiqués du secteur public qui sont en grève. Dominique Lemieux, directeur québécois des Métallos, est avec nous. Bonjour, M. Lemieux. Bonjour. Expliquez-nous ce que vous avez décidé, ce que vous avez annoncé. Bien, en fait, c'est l'ensemble de nos sections locales qui contribuent au fonds de grève du district 5 qui ont décidé de donner un don de 100 000 à l'ensemble du Front commun, mais à la FAE aussi pour les grévistes qui sont plus dans le besoin. Donc, ça va être distribué un peu partout au Québec via nos bureaux régionaux directement sur les lignes, sur les lignes de piquetage. Donc vous aidez pas seulement parce que la FTQ est dans le front commun, mais vous aidez aussi la FAE qui est en dehors du front commun. Oui, la FAE, ça va faire deux semaines bientôt euh, qui sont en conflit. Donc pour nous c'est vraiment important de donner. On a vu aussi dans les médias euh, certains besoins criants euh, d'enseignants, enseignantes ou de personnel scolaire aussi qui étaient dans le besoin. Donc pour nous on répond vraiment aussi à la solidarité. On parle beaucoup d'une grève historique, mais nous on qualifie ça d'une solidarité historique aussi où ce qu'on voit sur les lignes de piquetage, ce matin il y avait des parents, il y avait des enfants, il y a des restaurateurs qui viennent porter du café, de la pizza. Donc nous, on pense que l'opinion publique était là, donc on a décidé de poursuivre cette solidarité-là. Mais vous dites que c'est de l'argent qui vient d'où? C'est de l'argent des cotisations de vos membres ou des, des, des fonds de grève de vos membres? Oui, effectivement. C'est l'argent des... On a un fonds de grève bien spécifique à nous au Québec. Donc les présidents, jeudi passé, se sont réunis pour dire on sort 100 000 puis on le donne au Front commun, à, à oui. la FAE aussi. Bien, vos membres, je me fais l'avocat du diable, mais vos membres ils chialent pas, ils disent pas là, vous, nous on paye un fonds de grève, vous prenez notre fonds de grève pour aller aider des syndicats qui ont décidé de pas se payer un fonds de grève. Bien écoutez, on a eu certains débats, mais je peux vous dire que notre fonds de grève est quand même en bonne santé. Puis ça a été. Bien, à la FTQ, que... on n'en doute pas, c'est drôle. Là. Au métallo, Ça n'a rien à voir ah, avec, ouais. avec la FTQ, au euh... métallo, tout va bien. Puis ouais. euh, c'est presque unanimement que nos présidents okay. présidentes ont décidé de, de, de contribuer. Vous êtes conscient que ça provoque des réactions. Moi-même, je le disais euh, ce matin, euh, c'était le cas aussi avec ce qui a été fait en fin de semaine de la FAE. Il semble avoir une partie de la population qui dit :« Attends un peu là. » Euh, si les métallos veulent aider les plus pauvres, qui donnent 100 000 à Moisson Montréal, euh, pas à des syndiqués qui ont une bonne paye, des bonnes conditions de travail, puis qui ils ont décidé d'aller en grève, pas de fonds de grève, il y a des gens qui, qui rejettent ça, là, cette décision-là. il y a deux choses que je vais répondre. La première, quand vous dites des bonnes payes, le salaire moyen est 44 000 44 000 Pas chez les enseignants. Non, mais en moyenne, sur le oui. front commun, c'est 44 000 avec l'inflation, le coût des loyers, les, les taux d'intérêt qui ont augmenté. Moi, je n'appelle pas ça des bons salaires. À 44 000 je suis convaincu que moi, puis vous, on aurait de la misère à arriver avec ces salaires-là. Puis la deuxième chose, justement, année après année, on donne aux banques alimentaires. On vient de donner 66 000 aux métallos. La semaine dernière, on donnait encore à des maisons de femmes violentées, à des centres aussi de fin de vie, mais 5, dont 56 000 à des banques alimentaires. C'est 250 000 000 que les métallos on a donné à travers le Canada à des banques alimentaires. Donc on fait les deux, puis on en est fier de faire les deux. Puis je pense que c'est un mouvement historique. On le fait pas tout le temps. C'est la première fois de notre histoire. Ah euh, oui, c'est une première ça. Oui, c'est une première qu'on le fait. Puis on en est bien fier. Puis comme je vous dis aussi, on contribue dans la société. On a 1% de notre cotisation syndicale en fait qui va expressément euh, pour aider la communauté. Mais vous répondez quoi aux gens qui disent euh, ouais mais là, euh, écoutez parce que vous traitez comme des gens démunis, des gens qui ont fait le choix d'aller en grève, pas de fonds de grève, c'était leur, leur, leur choix de ne pas se créer de fonds de grève, c'est leur choix d'aller en grève, pas comme des gens qui ont, été, qui ont perdu leur emploi à une fermeture d'usine. là. Bien, moi je le réponds je suis fier de diriger le syndicat des métallos puis de faire les deux. Comme je vous dis dans les 15 dernières années seulement au Québec là, je vous dirais que c'est plus d'un quart de million de dollars qu'on donne justement aux gens qui sont défavorisés aux banques alimentaires un peu partout. Donc je suis fier de pouvoir faire les deux. Euh, puis si vous allez lire sur nos médias sociaux à nous, nos membres sont vraiment fiers du geste qu'on a fait et d'aider avec euh, 100 000 dollars mais aussi d'aider les banques alimentaires du Québec nous fallait de banques alimentaires là ces travailleurs travailleuses là là il y en a de plus en plus quand on va remettre les chèques on parle avec les directions de ces banques alimentaires là puis eux-mêmes nous le disent de plus en plus de gens qui travaillent 40 heures semaine viennent nous voir de plus en plus de travailleurs puis de travailleuses de l'État viennent nous voir à la fin du mois parce qu'ils ont besoin des banques alimentaires donc pour nous c'est inacceptable ça euh, de voir ça puis on voit puis tu sais je veux pas casser du sucre sur le dos de la CAQ, la CAQ se donne 30 d'augmentation de salaire offre 21 et demi d'augmentation aux policiers qui eux disent non aux policiers de la sûreté du Québec c'est correct ça puis c'est correct mais nous en fait ce qu'on vient d'écrier aujourd'hui c'est que le gouvernement offre pas des augmentations de salaire à ses salariés il offre des diminutions puis c'est ça qu'on vient d'écrier parce que le gouvernement il offre 13.4 alors que lui-même prédit l'inflation à 18,1 Donc, ce que le gouvernement demande aujourd'hui aux salariés de l'État, c'est pour ça qu'on les supporte, c'est une baisse de salaire. On offre à ces salariés-là de baisser de 7,5 en quatre ans, avec le coût de la vie, l'inflation, l'augmentation du taux d'intérêt puis des loyers. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime. Pis je pense que cette solidarité-là va aller en grandissant la population, euh, appuie de plus en plus, moi, je crois. Je pensais que la population appuie de plus en plus les syndiqués? Oui, de plus en plus. Puis malheureusement, on voit les cotes de la CAC. Puis je pense que c'est le contraire. Puis, puis c'est difficile à expliquer. Hein? Notre système d'éducation puis notre service de santé est attaqué est attaqué par des gens qu'on a élus il y a quelques mois. Puis moi, ce que je dis, c'est que la population. Là, ils n'attaquent pas, ils ne donne pas, ben, il donnent pas puis... les augmentations de salaire espérées. Ils n'attaquent pas le système. Là, quand ben, même. Nous, on considère que le gouvernement attaque ses propres salariés par un ton méprisant, par des okay. offres euh, ridicules, puis en leur offrant de baisser de salaire de 5,7 C'est c'est ça qui a pas de bon sens, selon nous. Dominique Lamieux.